La 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 la. Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes aujourd'hui dans le cours 222 d'art dramatique. De quoi allons-nous parler? Mystère, je vais vous dire un peu tout ce que j'ai dans la tête aujourd'hui. Ha 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 ha. Et oui, le thème mystère, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, il m'est arrivé une histoire un peu bizarre, hein. Je descends de la voiture tout à l'heure en bas, sur la route. Je vois arriver un cycliste devant moi. Un cycliste qui crie comme ça. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il arrive ? Et puis, une jolie fille, sur un vélo, qui s'arrête à peu près à 5 mètres devant moi. Elle fait mais qu'est-ce qu'il arrive? J'ai envie de mourir. Qu'est-ce qui vous arrive madame? Calmez-vous. J'ai envie de mourir, ma vie ne sert plus à rien, je suis dépressive. Madame, mais calmez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez faire un film avec moi? Je vous amène dans la colline, on va faire un joli film ensemble, vous allez voir, je vais vous changer les idées, moi je suis une comique. Elle me regarde comme... Je me suis dit, elle va aller en dépression, c'est sûr. Je sais, vous n'avez pas envie de rire, ça c'est sûr. Alors, elle avait les lunettes devant les yeux. Elle me fait... Si, j'ai envie de rire. Ah, oh putain, qu'est-ce qu'il arrive? L'émotion. Alors je la regarde, une jolie fille, une poupée, hein, une poupée vraiment. Elle enlève ses lunettes. C'était une fille, mais magnifique, avec tous les yeux ensanglantés de larmes, avec le nez qui dégouline, la crève complète, sur un beau vélo. Moi je lui dis, mais madame, vous avez un beau vélo, regardez, vous êtes magnifique, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus dans la vie? Elle me dit, je suis avec un type de 54 ans et j'en ai marre, je ne veux plus vivre, je suis malheureuse. Oh putain, je suis mané à corps dépressif. Putain, j'étais renversé, complètement renversé. C'est la première fois dans ma vie que je vois quelqu'un d'aussi déprimé dans le sport. En général, quand on fait du sport, voyez, on a tout qui s'oxygène, on est en pleine forme, on est content, on est heureux, voyez, de faire du sport. On aurait dit que c'était l'effet inverse que ça produisait. Je lui dis, madame, calmez-vous, on va faire un petit film, vous allez voir, on va s'amuser. Alors, je lui dis, tenez, si vous voulez, on pose la caméra là. Mais je suis pas en état de faire le film. Mais comme ça, tel que vous êtes, vous allez être formidable. J'essayais de trouver des trucs pour lui changer les idées.
voyez. Moi, je suis cinéaste, je fais des films, vous voyez, là, en ce moment, je vais dans la colline, je vais faire mon petit film. Si vous voulez, vous venez avec moi, on va dans le studio là-haut, et on se fait un beau film. Elle s'est dit, je suis tombée sur un sadique. Je lui dis, non, si vous voulez, regardez, on reste sur la route. Là, là, au parking, on se met. Elle regarde le parking. C'est vrai qu'il était ensoleillé, le parking. En fait, la caméra, pour qu'il y ait du... disons, un bon tempo, quelque chose, il faut que ce soit un peu à l'ombre, vous voyez. Ça fait de plus belles images. Bon, moi non plus, j'étais pas très chaud de faire un film sur le parking, avec les voitures qui passent et tout, à côté. Mais enfin, si c'était pour lui remonter le moral. Alors, je me suis dit, bon... Elle m'a dit, bon, je vais y aller, ça suffit, j'en ai marre. Allez, bye bye. J'ai dit, regardez sur YouTube Filou Dingo. Vous allez me trouver, vous verrez mes films, vous allez voir, c'est formidable, vous allez rire. Voilà. Alors, je tourne cette vidéo. Thème mystère. La fille mystère. Qui ressemblait à Claudia Schiffer et que j'ai raté, encore une que j'ai raté. Oui, le thème mystère. Alors le mystère, ben, c'est cette fille. Elle m'a fait réfléchir, je me suis dit, moi qui suis un sportif, j'ai fait du sport toute ma vie, mais j'ai jamais vu ça. Des sportifs dépressifs, c'est antinomique, hein. Ça n'existe pas. Vous voyez un peu? Si les sportifs ils sont dépressifs, je vous dis pas le reste de la population qui est planquée chez elle. Faut faire quelque chose, faut faire quelque chose. Écoutez, le gouvernement... pas parler du gouvernement. Il va y avoir les sports olympiques, le football, tout ça. Bon, je sais pas si ça va un peu distraire les gens. C'est pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Quelques comiques aussi, on devrait faire passer à la télé. Non? Parce que maintenant qu'ils savent que je suis dans la colline, tous les fous, là... Ils peuvent arriver. La 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 la. Alors, oui, il faut faire quelque chose pour ceux qui sont pas trop bien, tout ça, qui se sentent pas trop bien. Je vous l'ai dit, il faut essayer de se distraire, de voir des émissions un peu comique, de faire un peu les fous. Lâchez-vous, détendez-vous, faites comme moi, vous voyez. Vous allez dans la colline et vous criez.
on va me prendre pour un fou. Oh. Je regarde un peu s'il n'y a pas quelqu'un, on ne sait pas. Non, et puis il y aura un promeneur. Il y a souvent des promeneurs qui se baladent. Bon, enfin, pour parler de cette gentille personne tout à l'heure que j'ai vue sur la route, enfin, elle était magnifique. C'était Claudia Schiffer en personne, une mannequin, une fille délicieuse. Bon, qui était déprimée, franchement, ça m'a fait une peine. Une peine. J'ai eu le cœur renversé. Mais vraiment, hein, je lui ai dit, j'aurais donné ma fortune pour vous, vous voyez. Malheureusement, je suis pauvre. Je me suis dit, j'aurais pas dû ajouter ça. Non, c'est pour plaisanter, enfin, elle l'a compris. Enfin, elle va me rechercher sur YouTube, hein. Filou Dingo, dites-lui, Filou Dingo, si vous la voyez, c'est une cycliste, dans les environs de Halo, sur la route des Termes. Cet après-midi, qui est passé vers les alentours de... Il était 4 heures de l'après-midi. Et si vous la reconnaissez, dites-lui. Dites-lui que vous avez retrouvé son sauveur. Non, j'aurais aimé être son sauveur. J'espère qu'elle est bien rentrée chez elle tout de même. Voilà. Je vous remercie. À bientôt, c'était le thème mystère. Au revoir.